Notre compatriote Hervé Gourdel a été assassiné par un groupe terroriste. Lâchement, cruellement, honteusement. Je pense à lui. Il était parti en Algérie pour se livrer à sa passion, la montagne. Et il a été victime d'un crime odieux dont les auteurs devront être châtiés. Je pense à sa famille, à sa compagne, à ses parents, auxquels j'ai parlé et qui sont submergés par le chagrin. Je pense à ses proches, ils sont nombreux, qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas cette terrible injustice. Pourquoi lui, là-bas? Je pense à tous nos concitoyens qui sont saisis d'effroi. Parce que le but des terroristes, c'est justement d'effrayer, de faire peur. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Hervé Gourdel est mort parce qu'il est le représentant d'un peuple, le nôtre, qui était pris de liberté et qui défend la dignité humaine contre la barbarie. Ma détermination est totale et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout, et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh et qui répand la mort en Irak, en Syrie, qui poursuit des populations civiles, persécute des minorités religieuses, viole, décapite.